Et le dernier défi va vous demander d'obtenir des objets mythiques sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à côté de Grimgate, donc juste au-dessus, et parler au personnage Iron Man, parce que ce personnage justement va vous vendre un objet mythique directement. Donc vous n'aurez pas besoin d'en chercher pour réaliser le défi. Donc l'objet mythique en question, c'est le kit de combat d'Iron Man, donc vous lui achetez pour 600 lingots d'or. Après, les objets mythiques, vous pouvez aussi les trouver dans des coffres de Stark Industries. Regardez là, j'ai trouvé le kit de vol d'Iron Man. Et vous pouvez aussi le trouver sûrement dans des coffres d'Avengers, etc., etc. Après aussi, il y a les arsenals qui tombent au début de la deuxième tempête à ce genre d'emplacement, des hexagones. Et ben, à ces emplacements-là aussi, à partir de la deuxième tempête, il y a des arsenals qui tombent. Et là aussi, vous pouvez obtenir des objets mythiques. Donc le but du défi, c'est de récupérer un objet mythique sur des joueurs éliminés. Donc là, vous avez un objet mythique, mais ça ne suffira pas. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de le donner à un autre joueur et de l'embusquer, en fait, tout simplement, de le piéger. Donc genre, vous déposez votre arme mythique à côté d'un buisson ou quoi, et vous attendez que quelqu'un y vienne. Et dès que quelqu'un y vient, ben là, vous l'allumez pour justement le tuer et ensuite récupérer l'objet mythique quand vous l'aurez tué. Après, si vous mettez carrément un ensemble comme ça, c'est sûr et obligatoire, il y a bien quelqu'un qui va venir essayer de le prendre, et dès qu'il le récupère, bah là vous le défoncez, et dès que vous aurez réussi à le tuer et que vous aurez récupéré l'objet mythique, bah là ça validera une partie du défi, parce qu'il faut savoir que vous allez devoir récupérer un objet mythique sur 3 joueurs éliminés. Après, il y a une solution encore plus facile, c'est de le faire à 2 joueurs. Il y a un joueur qui se laisse tuer avec l'objet mythique en question. Dès qu'il est mort, vous récupérez l'objet mythique sur son corps. Et logiquement, ça devrait valider le défi. Après, vous le réanimez et vous faites ça en illimité pour réaliser le défi complètement. Sinon, moi, personnellement, je ne connais pas d'autres astuces. Et si vous en connaissez, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code créateur SCP.